Vous ne savez pas comment structurer votre contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach, web. Ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 590. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme, que vous avez des idées, des envies de créer du contenu, et peut-être, peut-être, vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas trop comment structurer tout ça. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner ma petite astuce, ma petite astuce... Celle que je partage le plus souvent, notamment à tous ceux qui veulent créer du contenu facilement mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre et même, même même pour ceux qui voudraient créer des formations, des livres et aller beaucoup plus loin. Et ça marche pour tout, vraiment pour tout, y compris la structuration d'une chaîne YouTube, d'un podcast et vraiment c'est une astuce qui euh, je trouve est tellement simple que je me demande pourquoi je ne l'avais pas partagé avant. Mais avant, je dois vous dire pourquoi je suis en retard et pourquoi je vous parle de cette astuce-là, parce que euh, oui, je suis un petit peu en retard aujourd'hui sur l'enregistrement. Euh, dans mon créneau, vous savez, mon créneau 5-7h, hein, 5 heures du matin, 7 heures, c'est le moment où j'enregistre, où je fais euh, une grosse partie de mon travail de ma journée. Et ben, il y a une petite fille, ma fille, est venue s'intercaler dedans, elle s'est réveillée très tôt ce matin. Donc le déjeuner était très tôt, et puis on s'est mis à jouer un petit peu. Euh, et puis elle a voulu faire du découpage. Et ben oui, parce que maintenant elle a des ciseaux, elle a voulu faire du découpage. Et à 3 ans, ben, découper un petit bout de papier, c'est pas facile pour elle découper un bout de papier pour vous c'est rien et pour moi c'est rien hein, découper un bout de papier à tel point d'ailleurs que quand je regardais euh, tenir ces ciseaux même tenir ces ciseaux ouvrir les ciseaux écarter les doigts euh, mettre le papier de la bonne manière bien orienter le ciseau etc et ça me paraissait tellement simple pour moi que je me demandais pourquoi pour elle c'était compliqué. Et pourquoi c'était compliqué Bah tout simplement parce que c'est la première fois qu'elle le faisait. Bah oui ma fille, Camille, elle a que 3 ans, 3 ans et demi. Et euh, tenir tu sais des ciseaux, bah c'est pas si simple que ça pour elle. Découper du papier, c'est pas si simple que ça pour elle. Savoir comment il faut mettre la feuille, comment il faut orienter les ciseaux, comment on va s'y prendre pour découper un petit bout de carré ou quoi que ce soit, ce n'est pas si simple que ça pour elle. Et si vous regardez maintenant ce que vous faites, il y a plein de choses qui sont faciles pour vous, que vous maîtrisez sur le bout des doigts, mais qui ressemblent à ces ciseaux et cette feuille pour quelqu'un d'autre, bah oui, tout simplement parce que il y a plein de gens autour de vous, et il y a plein de gens dans ce monde qui ont envie d'utiliser les ciseaux, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment tenir la feuille, qui ne savent pas comment il faut euh, ouvrir les ciseaux, les fermer, comment bien mettre la feuille dedans pour arriver à découper des petites formes, etc. Et donc ces personnes, elles ont besoin, elles ont envie de d'utiliser les ciseaux, elles auront besoin de faire un carré, de faire du découpage ou quoi que ce soit, mais elles n'ont aucune idée de comment faire. Et là, ce sont des contenus qui deviennent très faciles à faire pour vous. Vous maîtrisez vraiment parfaitement le sujet, vous savez ce que vous devez transmettre. Vous avez donc un point A de départ, c'est ils ne savent pas, et vous avez un point B, c'est maintenant ils savent faire. Et ça marche vraiment pour tout parce qu'en fait, vous pouvez regarder tout ce que vous faites. Il y a forcément quelqu'un qui aurait envie de faire la même chose. Euh, vous faites de la musique, euh, vous jouez, euh, je sais pas, euh, du ukulélé. bah il y a des gens qui ont envie de jouer du ukulélé. Vous faites de la cuisine, il y a des gens qui ont envie de faire de la cuisine. Vous courez, il y a des gens qui ont envie de courir. Vous savez maîtriser Excel, il y a des gens qui veulent maîtriser Excel, qui ont besoin de maîtriser Excel. Vous savez euh, faire de la peinture, du dessin, il y a des gens qui ont envie de faire de la peinture, du dessin. Vous avez envie de faire de la peinture, euh, de vous faites de la peinture de maquette, de vous dessinez. Des jolies peintures, c'est des petites maquettes, et eh bien il y a des gens qui veulent faire de la peinture, c'est petites maquettes. Vous savez faire de la BD, il y a des gens qui veulent faire de la BD. Vous savez faire du tricot, il y a des gens qui ont envie de faire du tricot. Vous savez faire de la couture, il y a des gens qui veulent faire de la couture. Euh, voilà, c'est infini, vraiment, vraiment, vraiment infini. Et puis ça va même dans des trucs qui sont très, 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 très précis. C'est là où vous avez les fameuses thématiques, les niches, les sous-niches, etc. Et alors maintenant vous vous demandez, mais comment je partage ça Parce que finalement. Euh Qu'est-ce que j'en fais de ces trucs-là? Eh ben, vous allez utiliser la méthode de la recette de cuisine. La méthode de la recette de cuisine, on n'a pas fait mieux, franchement, parce qu'après, on peut appeler ça un tuto, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais ça reste une recette de cuisine. Et une recette de cuisine, vous savez très bien ce que c'est. C'est, on vous met les ingrédients et on vous met les étapes à suivre, étape par étape. Alors, comment vous faites une recette de cuisine? Ben, c'est très simple, hein, Vous prenez les ingrédients dont vous avez besoin pour faire ce que vous savez faire. Vous décortiquez chaque étape que vous faites. Donc, vous allez déconstruire ce que vous faites et puis vous reconstruisez pas à pas en vous demandant Comment vous a expliqué ça à un débutant. Et donc, ça m'amène tout de suite à mon appel à l'action du jour, à ce que vous allez faire, votre travail que vous allez faire là aujourd'hui, c'est de prendre tous vos processus, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez envie de partager, tout ce que vous pouvez partager. Vous regardez tout ça et vous demandez comment vous allez transformer ça en recette. Alors, bien sûr, il y aura des recettes qui seront de simples recettes, hein, des petits tutos. Par exemple, moi, ça peut être une recette. Comment utiliser Audacity pour faire un podcast? Ça peut être une recette simple. Comme, un chef, vous avez aussi vos spécialités. Moi, ma spécialité à moi, c'est comment faire un épisode de podcast en 30 minutes et pas non en 2, 3 heures ou 4 heures comme d'autres. Mais ça, je peux en faire un petit tuto sur comment, et puis je l'ai déjà fait, comment je fais un épisode de podcast avec la méthode 10-10-10, c'est-à-dire 10 minutes de préparation, 10 minutes d'enregistrement, 10 minutes de publication. Bon, ça, c'est ma spécialité. Et cette spécialité, en fait, je peux la partager. Donc moi, je la partage sur le podcast, je peux la partager sur une chaîne YouTube, je peux la partager un petit peu à droite, à gauche. Et en fait, c'est là où vous construisez votre marque. Vous voyez, votre marque, vous mettez un petit nom sur votre recette voilà c'est votre recette à vous je veux dire il euh, y a euh, les pâtisseries façon euh, tel ou tel chef il y a le plat de tel ou tel chef, il y a les gougères de telle ou telle personne, et ben vous vous avez votre recette avec votre nom à vous. Ensuite vous pouvez les organiser en thématique, bah ben oui comme un livre de recettes vous pouvez organiser ça en thématique si vous regardez, si vous avez une chaîne YouTube, ben vous pouvez mettre des playlists, et ben vous avez des grandes thématiques ça vous fait comme des livres de recettes dans lesquelles vous allez ranger toutes vos petites recettes dans des chaînes euh, dans des playlists YouTube thématiques mais ça peut aussi marcher bien entendu sur un podcast, des choses comme ça ou ou peut-être dans des books, hein, vous voyez, dans des e des choses comme ça, ou même, ou même, ou même, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, votre recette, elle peut pas être toute seule, il faut avoir des sous-recettes, des sous-ingrédients qu'il faut créer avant, des choses qui vont s'intercaler, des choses à faire, des choses qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, et bien bah, là, vous arrivez sur des grosses recettes, vraiment des grosses recettes, et bien bah, ça ressemble à quoi À une formation. Et bien bah, oui. Donc, à partir de cette logique de simple recette de cuisine, vous pouvez créer du contenu gratuit, du contenu payant, du contenu thématique, vous pouvez créer des chaînes de contenu, vous pouvez créer tout un ensemble de contenu et vous pouvez même créer des produits payants. Bah ben oui, c'est la magie de la recette de cuisine, c'est que vous pouvez tout faire avec la simple formule de la recette de cuisine. Maintenant que vous avez l'image de la recette de cuisine, le chef, etc., en tête, il est temps pour moi de fermer ma bouche en espérant... Que vous criez maintenant vos propres recettes. Et avant de le faire, n'oubliez pas, si vous voulez plus de conseils, vous pouvez vous abonner à mes emails. Faites votre coachweb.com/slash email ou alors le lien dans les notes de l'épisode. Et de temps en temps, je vous envoie un mail avec des conseils complémentaires pour créer du contenu, développer votre marque personnelle et arriver à vous exprimer sur Internet et partager tout votre savoir. Je vous souhaite maintenant une très très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao les créateurs!